Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale dans cette période un peu spéciale où on est tous plus ou moins confinés. Oui, je dis tous plus ou moins parce qu'il y en a certains qui sont moins confinés que d'autres. Bon, certains pètent des câbles, certains ça va. Vous avez vu Nino Arial, il a pété un câble. Il a suivi mon tuto coiffure, il a fait un massacre. Je vous mets les extraits. Vous pourrez aller voir sa vidéo si vous voulez. C'est massacrer les cheveux avec une tondeuse à barbe, s'il vous plaît. Monsieur, qu'avez-vous fait? Donc, j'espère pour vous que ça va bien, que vous avez, personne n'est malade chez vous, que tout le monde va bien. Prenez soin de vous, essayez de respecter un maximum le confinement. Nous, personnellement, on travaille, on n'a pas le choix. Donc après, on s'adapte, on sort pour aller travailler, puis on revient à se confiner comme tout le monde. On fait sport à la maison. Là, il fait beau, on a de la chance, donc on est dans le jardin. Sinon, bah, on le fait à l'intérieur, hein. On s'adapte, toujours pareil. Moi, j'ai l'avantage de faire beaucoup de poids de corps, donc c'est vrai qu'on peut s'entraîner un petit peu n'importe où, avec peu de matériel, donc c'est vrai que c'est pratique. Les pompes, les dips avec des chaises, pensez-y. Puis voilà. Moi, je vais vous mettre par la suite mon training de toute la semaine, parce que j'ai fait 3 trainings cette semaine, du coup. J'en ai filmé que 2. J'ai bossé pas mal les figures, front lever, handstand one arm, et ensuite pas mal d'exercices de renfo. On attaque ça tout de suite.
Donc voilà les gars, cette petite vidéo d'extrait d'entraînement, de la première semaine d'entraînement du confinement est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, vous a donné quelques idées d'exo. Donc surtout pas d'excuses, hein. On peut s'entraîner à la maison sans matériel, juste avec un ballon, enfin quelques conneries, des chaises, voilà. Si certains sont intéressés pour retrouver les barres que j'ai utilisées dans mes vidéos, les barres hautes où je fais le front lever, les dips, ou les barres oranges qui sont un petit peu plus basses, vous avez tous les liens dans la description, je vous ai mis les liens Amazon, donc vous pouvez les commander, et du coup bah, vous aurez ça pour chez vous, pour le confinement ou pour d'autres périodes où vous n'avez pas le temps d'aller à la salle par exemple. Pour tous ceux qui sont intéressés également pour Prozeez, ceux qui commandent sur Prozeez, il y a des vêtements, des compléments, plein d'accessoires aussi, des casques, bah vous avez 10% avec le code VENGERS10. Je vous ai mis aussi pareil dans la description. Vous avez le lien du site directement et le code affiché. Donc surtout en cette période, essayez de bien rester confiné. Prenez soin de vous, même si vous en avez rien à foutre du Covid-19. Bah, pensez à vos proches, pensez à ce qui pourrait arriver. S'il y a des personnes fragiles dans votre entourage, pensez à vos enfants, votre femme, etc. Donc voilà, prenez soin de vous. Et je pense qu'on a tout dit. Nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Je pense que je ferai une semaine 2 du confinement, voir ce que ça donne. Moi, j'ai bien progressé niveau instant push-up. Je descends beaucoup plus bas qu'avant parce que j'avais vraiment perdu. J'avais pris pas mal de poids. J'ai pris 2-3 kilos. Là, je les ai reperdus, surtout bah, grâce au taf, j'ai envie de dire, parce que j'ai changé de taf pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, bah, là, actuellement, je suis à 800 calories, 12-13 km par jour, rien qu'au taf. Donc, du coup, bah, j'ai reperdu 2-3 kilos. Donc, c'est beaucoup plus mieux pour moi. Donc nous on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo les gars et prenez soin de vous. Ciao.